Madame, monsieur, monsieur le comte. Bonsoir. Vous êtes bien les journalistes de l'ORTF, si je ne m'abuse. Tout à fait, monsieur le comte. Bien. Non, merci. Ravi de faire votre connaissance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des manifestations, laissez-moi vous présenter notre petite maisonnée. Bien. D'abord moi, comte Albert de Cardier, maître des lieux. Et voici Edgar, Mimi pour les intimes. Mon chien, mon amour, mon chéri. Dites bonjour à Mimi. Il est bien élevé, il ne meurt pas. Bonjour, bonjour. Héloïse, mon épouse. Une jolie fleur, n'est-ce pas? Elle fanera comme toutes les roses. Mais pour le moment, profitons de sa beauté éphémère. Oh, je me sens poète, Mimi, je suis excitée. On l'avait vu. Madame, monsieur. Bonsoir. Vous connaissez déjà Sébastien, notre majordome. Froid comme la banquise, un vrai majordome. Voilà. Hein? Et voici Cécile, c'est notre cuisinière et femme de chambre. Oh, je m'en débarrasserai bien d'ailleurs, mais ma femme l'adore. Il paraît qu'elle fait un thé exquis. C'est vrai. Il est vrai que de mettre des sachets dans une théière, c'est pas la portée de tout le monde. Oh, regardez, comme elle est ravissante, comme elle boude comme cela. Hein? Frère Robert, notre jardinier, chauffeur. Oh, il a l'air peu amenant comme ça, mais c'est un être sensible, si vous saviez. Je l'ai vu pleurer l'autre soir devant Plus belle la vie. Oh, c'est attendrissant, mais pathétique, hein, n'est-ce pas? Hein? Reste plus que mère qui doit faire sa sieste, je crois. N'y prêtez pas attention, elle est gentille, mais un tout petit peu perdue. Gladys! Mais attendez, Gladys! Et voici Élise, l'infirmière qui la cherche, comme d'habitude. Bon, mais c'est bien beau tout ça, hein. Mais moi, je vais repiquer. Faites donc, Robert. Les trous, c'est sa passion. Bon, Sébastien, veuillez accompagner ces messieurs-dames dans leur quartier. Mais faites attention aux escaliers.